Les petits potes. On en est qu'au jour numéro 2. En fait, je vous explique. Je sais pas comment vous expliquer ça. Déjà, je ne sais toujours pas comment m'est venue l'idée de faire 24 vidéos, 25 vidéos. 25, pas 24. 25 vidéos sur le mois de décembre. Je sais pas. Ouais. Il y a eu un problème de connexion. Hier, vous avez eu la vidéo de mon essai de sel avec Forestier. Et aujourd'hui, je vais vous emmener avec moi. Donc en gros, là, je suis en train de faire le petit montage de la vidéo que vous avez vue du coup hier. Le problème récurrent de ma vie. Quand d'en haut, t'es sapé comme jamais. Et qu'en bas... J'arrive même pas à rentrer dedans. T'enfiles tes petites bottes. Voilà. Le paradoxe de ma vie. Toujours la même histoire. Oh là là. Bon, en gros, là, je viens faire un bisou au Pouni. Mon titi. Oh là là. Mon amour. Tu as chez le plus mignon des poneys mignons de cette terre. Mouah ! Un vrai bébé. Soleil est en train de se transformer en sanglier. Ça va ? Ta grosse tête. Sa tête de poney vénère. Regardez-le. Je prends même plus la peine de le brosser. Monsieur, je le brosse. Monsieur se reroule. Tu es fier de toi, hein ? Tu es très fier. Mais regardez-moi, oh là là, un vrai sanglier, je vous jure, il aime trop la bouillasse, lui. Un cochon. Berk, t'es sale. Là, je vais m'en aller à Paris pour aller voir le spectacle War Horse avec ma rêve. Je crois qu'il y a d'autres personnes qui sont invitées aussi. On est invité à l'avant-première du spectacle. C'est à la scène musicale à Boulogne-Billancourt. On va aller voir ça. J'espère que ça va être cool. Et donc, du coup, je vais passer la soirée avec ma rêve. Voilà. Et voilà. Et sinon, les poneys, bah voilà, toujours au fond à volonté. Et kiff. C'est trop pratique en vrai. Vraiment, c'est pour eux, c'est vraiment le feu parce qu'ils peuvent manger tout le temps. Et pour moi, c'est trop pratique quoi. Ils sont là, ils ont leur petit morceau de foin. Et puis ils se débrouillent. Ils mangent quand ils veulent, comme ils veulent. C'est trop bien. Voilà. Bon allez. À demain, ma petite tête d'amour. Oh, t'es trop mignon, toi. Toi, t'es vraiment un facochère. Bon allez, hop. En voiture, Simone. Oh là là, on patauge. Bleh. Ah oui, aussi, il y a un truc que je vous ai pas dit. C'est pas du vrai. C'est de la fausse fourrure. On est d'accord? Je l'ai acheté à Primark il y a 5 ans. Primark, vraie fourrure, le fossé. On est d'accord, voilà, ça c'est dit. Et ben me voilà arrivée à ma première destination, qui est la maison de ma wave. Afin de récupérer ma wave, je suis dans l'obscurité. Ah ben voilà, maintenant on l'attend. On est en route, mauvaise troupe. On va là-bas. C'est qui les deux bolos du YouTube Game? C'est nous. C'est nous. C'est pas, on est à la porte parce qu'on est arrivé en retard, mais on était à l'heure parce que nous on est parti au truc presse. Et au final, on s'est fait recadre, il a fallu qu'on fasse tout le tour. Non, on a passé 10 minutes au truc à attendre qu'il s'occupe de nous. Qu'il n'était pas là et que c'était ailleurs qu'on a dû faire un autre tour et du coup on arrive en retard. Et voilà, et maintenant ils ont fermé les portes parce que le spectacle il a commencé donc faut attendre qu'ils réouvrent les portes parce que apparemment, genre sinon on va déranger en rentrant. Mais genre on est nombreux, enfin, je vais pas vous montrer les gens, mais on est beaucoup à attendre pour la genre porte. Une dizaine. On n'est pas les seuls à être en retard. Mmh. Voilà. C'est dit, on attend. C'est aussi ça, des bouchons, même la nuit. Ah, y a des trucs comme ça qu'on aime dans la vie. C'est incroyable. C'était vraiment notre meilleur ami. On va lui faire de la pub.
Ishan supermarché à Vincennes. Allez-y, allez-y, c'est vraiment, c'est le sang, le sang. Franchement, le sang de la veine. La ceinture. La ceinture de la veine. La ceinture de la veine. On met sa ceinture en voiture. Doudane. Toujours la voiture, c'est comme le bombe à cheval, la voiture, on sent la ceinture en voiture. Hop là. Et vous savez que le pire c'est qu'on n'a pas encore bu, mais on est comme ça non, tout mais le moi temps. Oh j'ai pas raté la sortie. C'est à droite. BF, non mais Mareva qui conduit depuis tout à l'heure, elle nous a fait un truc. Ah la preuve, ceinture. Ceinture, very important ceinture. Non, mais il arrivait vachement vite en. Il en arrivait roule, très très vite. On, zone 30. Roule, en ville, on roule à 30 ans. Bâtard, avec ta Citroën là. Qui roule encore en Citroën? Tu roules en Citroën? Bah non, je roule en Ford Fiesta, mais bon quand même. Bah voilà. Bah respecte alors. Les gens en Citroën. J'aime pas les Citroën. Comment ça va des agrumes? La voiture agrume. Ah oh ouais, bah c'est une bonne. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait mais des tours. Où est-ce qu'il elle tourne en rond. Ah oui, tout droit. Mais je comprends pas, je crois que c'est des rues à sens unique à chaque fois en fait. Oui, c'est tout en sens unique. Bah là, c'est pas indiqué que c'est un sens unique. Donc moi, j'ai l'impression que quelqu'un peut arriver en face de moi. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois ou tu vois pas? Si tu vois pas, tant pis. Priorité à droite ou à gauche? À tous les côtés. C'est pas votre pote. Elle a dit là, c'est bon, je suis bien garée, je peux rester comme ça. Elle a osé tirer. Là, je suis bien garée. Je reste comme ça. C'est hors scandale. C'est hors scandale. La meuf ne sait pas faire un créneau. Mais encore! Putain, t'as 6 mètres du trottoir! Stop! C'est déjà beaucoup mieux, c'est toujours pas très droit, mais c'est bien mieux. Oh là 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 là! Et voilà! Mareva a réussi à se garer! On applaudit tous Mareva! Bref, donc là on est arrivé dans l'appartement de ma meilleure amie Juju que vous avez déjà vu, la petite blonde, voilà elle. Parce que bon, vous savez, je vous emmène avec moi pendant tout le mois de décembre. Donc le but c'est que je vous montre un maximum les poneys, mais malheureusement vous allez être obligé d'être initié un petit peu dans ma vie perso, hein. Et donc bah vous allez voir un peu tous mes potos, le sang, la famille, la mif. En dehors de mes poneys, elle a fait un blackout. Voilà, bref. Donc là on va sortir, on va aller. Je tiens plus debout. On va aller au café Oz à la gare d'Austerlitz. Voili voilà. Puis ensuite on va rentrer. Je vais dodo chez ma rêve. Et demain je vous emmène encore pour une nouvelle journée. Voilà. Sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Ciao. Je reprends ce vlog pour vous montrer à quel point Mareva est une dinde. Mais regardez. Je sais pas si elle est là, mais déjà. Regardez où elle est. Elle est là. Et qu'est-ce qu'elle attend? Qu'est-ce qu'elle attend? Elle attend son Uber. Elle attend son Uber Eats. Non mais n'importe quoi. C'est trop. Sauce fromagère avec mon iced tea. Voilà, petite frite. Non, petite frite. Tellement pas. Ma rêve. Non, une petite frite pour Pépère. Non, c'est pas Léa, je vais vomir. La petite frite.